Il y a un arrangement, une introduction. Il y a un modèle ami. Donc voilà, je vais essayer un peu. Si on a des équipes, peut-être dans le groupe, il y a. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai essayé un peu de régler les petits trucs. Voilà. Le téléphone me posait quand même quelques petits problèmes parce que j'ai pris un plus élaboré que celui que j'avais. Merci Polydor. Donc voilà, je l'ai fait au moment où j'ai fait des vidéos pour ajuster. Grand merci aussi à Bernard, j'ai dit. En tout cas, il nous a encore assisté. On ne dit pas le montant et tout ça, mais ça nous a permis d'échanger les cordes des guitares et puis d'avoir câble Yassica, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça permet à ce qu'on puisse faire nos émissions. Tout c'est fini ça. Hein, bureaucrate, il y a guitare, il y a Litoï. On a appris à jouer sur le tas comme ça là. Voilà. Donc remerciement aussi à ceux qui nous ont toujours écrit, Coucou de Lomé, qui pleure, Kadi à Mama. J'essaie de voir Kadi à Mama que je ne retrouve pas sur YouTube alors que la chanson était là. Et puis Erare ou Manu Mest, donc je n'ai pas oublié Coucou, donc je vais penser à toi. Et puis il y a Aristote qui avait déjà entendu. S'est retrouvé, c'est Mickey Mondo, mais il y avait beaucoup de Mondo, donc maintenant tout le monde aussi se perd un peu dans les Mondo, effectivement. Donc je vais faire quelques partitions, c'est pas, il y en a pas vraiment beaucoup, hein, qui ça avait fait, comme j'avais dit, quand la chanson est très belle, hein, les guitaristes, bazana, problème, il faut jouer, il faut avoir créativité pour les calissousous. La beauté de la chanson. Parfois, on s'arrête à compléter Kakabavi Diamike Mike. Donc, je vais y arriver. Alors, la part belle, c'est ces temps-ci, c'est les accompagnements. Mais bah, accompagnement, il faut mettre Mba. Donc, ça ne sera pas long. Donc, il faut. C'est un peu résumé et ça permet à la personne de pouvoir suivre. Donc, j'avais promis la fois passée de faire via. Mais je vais faire via avec Manzaka et Bélé, Mbé et Bende. Vous allez voir que parfois, compagnon de ça, le rôle est Kokana, mais c'est le chant et les réponses, il y a bas soliste, mais peut-être ça sera moi différence. Hein? Tu comprends? Alors, maintenant, comme je n'ai pas vu Coucou, qui ça, pour Coucou, comme je n'ai pas vu Kadi, je connais la chanson Oh Kadi à Mama, Salakebadi, la vie. Alors, comme je n'ai pas eu la chanson, je ne peux pas, je n'ai pas voulu jouer de mémoire parce que je n'ai pas fredonné les notes de guitare de cette chanson. Mais Erare et Manu Mest, tel que j'ai pu le comprendre, ça se joue sur Do. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. Peut-être c'est l'intro qui l'a intéressé. Maintenant, le CBN. Thank you.
Donc c'est vraiment pas vraiment grand chose. Hein? Mais le début c'est comme ça, c'est sur Do. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas la maîtrise de ce que nous appelons communément les quintes. Hein? Il faut s'habituer à essayer de les jouer en décomposant un peu les accords. Vous voyez, par exemple, quand je tiens le Do, hein, on prend les cordes qui sont en laissant une corde en intervalle sans la toucher. C'est l'essentiel dans la chanson Coucou. J'espère que tu pourras la jouer. Hein? Ce n'est pas vraiment trop compliqué. Effectivement, les premières chansons de Zaïko permettent vraiment de bien apprendre la guitare. Voilà. Alors, comme j'avais promis de faire Via, je passe à l'accompagnement de Via et puis de Manzak et Bénic. Ça se ressemble un peu. Mais la différence, c'est les partitions jouées par les solistes. Solo, excusez-moi, mais l'accompagnement, c'est ça.
C'est ça, l'accompagnement de Manzakembe. Maintenant, Via commence comme ça. Alors là, le soliste là joue autrement. Pour entrer dans le refrain. Je vais te composer avec un seul doigt, comme ça vous voyez. D'autres peuvent le faire ça. Alors, au Sébéné, là, c'est comme ça. Ça c'était un mélange, un peu d'accompagnement, un peu de solo. C'est Fatou, joué par Shockstar. J'aime bien parce que ça c'est un exercice où il y a trop de quintes, les quintes et les octaves. Mais bisoto binga okaka ba quinte. Pourquoi? Parce que nous jouons en tirant sur deux cordes avec une intermédiaire qui est vide. Ou bien les octaves. Donc on prend une corde au-dessus, une corde en bas, et il y a deux cordes qui sont à vide, donc ce sont les octaves. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. La chanson se trouve sur Mi. Alors, je n'ai pas exactement le doigté de Roxy, mais c'est la base sur laquelle il a joué. Et puis la chanson a eu un remix. C'est le remix que j'ai fait au moment où Bozy n'est plus dans Shockstar. Ça s'arrête là. Et puis, l'accompagnateur ou le mi solo joue ceci. Là. Thank you.
Pardon? Oh là là! Pardon, la bande de la place au Yoa. Solfège. Maintenant pour entrer au refrain. Les quintes, les octaves et tout ça. Ça peut permettre à ceux qui veulent essayer, mais c'est un exercice assez difficile hein, pour maîtriser les quintes, les octaves, ceci, cela, tout ça. Peut-être pour mieux les comprendre et les étudier, il faut suivre un peu les chansons qui sont dans les styles Odenba, donc les styles, les chansons de Touzaïna, les chansons de Kissa VV, les chansons de Sosoliso, sans oublier le maître à penser qui est Loke Jazz. Hein? Hein?
J'avais joué ça. Alors, faut essayer d'avoir cette maîtrise-là. Hein. Ça peut vous permettre de commencer à comprendre comment les quintes et les octaves. Par exemple, ça c'est de Pefeli. Donc vous voyez qu'il faut maîtriser bélé quand vous voulez être un soliste. C'est vrai que il y a aussi des accompagnateurs qui font aussi appel à quoi ça, à des quintes, comme on les appelle couramment. Je vous donne un exemple, c'est l'Isapo. Vous voyez, ça c'est, ce sont des quêtes que Zamangana a joué dans cet accompagnement. Hein? Ça rappelle quelque chose que Koffi Olomide a fait aussi. Chose comme ça là. Hein? Voilà. Maintenant pour Aristote. Donc c'est plus le chant qui a dominé l'instrument. Hein? Alors c'est bien, ça. Pardon. Ça
partie dansante. Voilà, donc c'est ça. Hein, voilà, c'est ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Hein, j'espère que ça vous fera plaisir. Hein, merci et à la prochaine.